Dans une vidéo sur les probabilités conditionnelles, nous allons voir la définition et les notations concernant cette notion. Alors, on se donne ici une situation avec un arbre pondéré, avec deux événements A et B pour le premier tirage et R ou R' pour le deuxième tirage. Si on s'intéresse au chemin qui choisit d'abord A et après R, nous avions vu dans la vidéo précédente que la probabilité correspondante correspond à P de A inter R, puisque nous avons en même temps A et en même temps R. La première branche qu'est là donne la probabilité de l'événement A, c'est le premier tirage, et la probabilité qui est ici correspond à la probabilité de A. La question est, quelle est, comment nommer, cette probabilité ici? Alors on aurait très envie de l'appeler P de R, mais P de R, ce ne serait pas rigoureux, puisqu'il y a un autre P de R ici. Et on pourrait du coup être amené à appeler un deuxième P de R. Ce serait pas rigoureux, puisque ces deux nombres ne sont pas évidemment forcément équivalents. Pour les distinguer, l'idée va être de dire que cet événement-là correspond à, évidemment, la réalisation de l'événement R, mais à condition avant d'avoir réussi A. Et on l'appellera P de R sachant A, et pour le distinguer, on va lui ajouter un petit A en indice. Et celui-ci sera bien la réalisation de l'événement R, à condition auparavant d'avoir réalisé l'événement B. On nous appellera donc P de R sachant B avec le petit B en indice. Dans une telle situation, on distingue les deux P de R que nous avons, selon les deux situations, selon le premier tirage. On aura l'événement R sachant A ou l'événement R sachant B, selon la réalisation de la première expérience. Et on notera P de R sachant A avec le petit A comme ça, ou P de R sachant B. Ce qui nous donne maintenant cet arbre-là, complété, P de A pour la première branche, et P de R sachant A pour la deuxième branche, et ces deux événements-là donneront la probabilité de P de A inter R. Dans cette situation, la probabilité du chemin P de A inter R est donc égale à la probabilité des deux branches qui le composent, c'est donc P de A fois P de R sachant A. Comme on vient de définir cette probabilité-là, de probabilité conditionnelle, P de R sachant A, eh bien on peut la définir en fonction des deux précédentes. Et cela nous amène à cette définition que lorsqu'on a deux événements A et B d'un même univers avec la probabilité du premier P de A qui est différente de 0, alors la probabilité conditionnelle de l'événement B sachant que l'événement A est réalisé, c'est ce qu'on note P de B sachant A, le A en indice, eh bien, elle est définie par P de B sachant A est égal à P de A inter B sur P de A. Cette formule se retrouve donc, comme on l'a vu, avec l'arbre pondéré, la probabilité de l'événement A inter B, P de A inter B, est égal au produit des probabilités qui composent le chemin P de A fois P de B sachant A. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer du coup la valeur de P de B sachant A, et à partir de cette égalité, on obtient de façon évidente P de B sachant A est égal donc à ce que nous avions là, P de A inter B divisé par P de A. Cette définition-là découle directement de la propriété des produits des probabilités sur le chemin d'un arbre pondéré. Trois remarques pour terminer. Dans un arbre pondéré, les branches primaires, c'est-à-dire première branche correspondant au premier tirage, sont donc les probabilités de l'événement considéré. Ce ne sont que les branches secondaires qui amènent à des probabilités conditionnelles, puisque ici on a R sachant A, R bar sachant A, etc. Donc les probabilités conditionnelles n'apparaissent que dans les branches secondaires. Dernière remarque, attention à une confusion souvent effectuée. Ne confondez pas la probabilité de P de R sachant A correspondant à la probabilité de cette branche-là et qui correspond à l'événement R est réalisé sachant que A est réalisé. Cela n'est pas à confondre avec la probabilité de A inter R qui veut dire que A et R sont réalisés correspondant à la probabilité de tout ce chemin-là, d'abord A puis R. Une dernière remarque, on peut évidemment définir la probabilité conditionnelle inverse, c'est-à-dire P de A sachant B, qui est définie de la même façon P de A inter B sur P de B, à condition que P de B soit non nul, évidemment, puisqu'on divise par P de B. Et dans les exercices, on sera amené des fois à calculer P de B sachant A et P de A sachant B. Il faut voir des situations concrètes pour bien comprendre les différences.